Balumuna yo yo yo. Papa Wemba, le chanteur le plus populaire de la nouvelle vague. À l'époque, ça s'appelait Karankin, donc à l'époque coloniale. Et maintenant, c'est le quartier Matongé. Et c'est moi qui ai collé le nom de Molokai. Parce que dans Molokai, vous trouverez, il y a plein de vedettes, il y a plein de ganda. Le ganda qui signifie qu'il y a plein de petits endroits où les gens viennent boire et tout, quoi. Et c'est le quartier où les gens circulent 24 sur 24. Vous trouverez ici le vedette basketball, vedette football, vedette volleyball, vedette de la chanson aussi. Et pourquoi ce nom de Papa Wemba? Papa Wemba, parce que je suis un papa. Je suis un homme responsable. J'ai une très grande famille et c'est pourquoi on m'appelle papa. Ça. Et les enfants, c'est très important pour vous? C'est très important pour moi parce que les enfants, nous venons de là, nous tous, hein. Et vous savez que les enfants, ce sont des innocents. Comme l'agneau pascal, alors. Alors les enfants, ils sont trop chers pour moi. Je les adore, ils sont beaucoup plus que moi, quoi, alors les enfants. Et vous avez combien d'enfants? Oh. C'est pour citer les chiffres, alors. J'ai 14 gosses. Alors. 14 enfants. Légitimes. Je suis devenu chanteur grâce à ma mère, parce que ma mère chantait. Et j'ai eu à chanter aussi dans la chorale à l'église, plus encore au quartier quand on crée des groupes de jeunes. Et on m'a pété du doigt pour me dire que voilà, bon, toi, tout le temps, tu deviens chanteur. C'est pour ça que je suis devenu chanteur. Je suis quand même le leader, je suis le Kumiaka, je suis le grand chef coutumier traditionnel du village Molokai. Je pousse mes rythmes dans la tradition tout en les modernisant. Je vis dans un monde moderne et tout le temps moderne. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
na radio Congolia. Na yoka ke ba popo mutu ba mema ba tumunda liboso ba ba mema moi semblant à musique awa na kisasa. Je suis là. Je suis là. Bon, je vais vous dire que vous avez beaucoup de temps. Vous avez dit que vous avez dit on a laissé passer les alitaires. On a laissé passer les alitaires. Ma soeur, ils ont Congolia. Au foot à 7 francs 50. Ouais. Parce que les bisons de l'époque, on a bisons de l'époque, on a bisons de l'époque, on a bisons de l'époque, rien que pour qu'on a Congolia sardine. Ah oui. Et puis, autant là-bas, film, le dernier de Fédéré, nous irons à Paris. Papa, il s'en a toujours que Calais, nous tout a modernisé la musique à ya Congo. Poye ayena eyembeli ya Batino Rossi, ba Luis Mariano les compagnons de la chanson, aménager ba rythme ba vals ba tango. Na musique oyo ya kutaki ya papa. Et sikoyo ayé ko ajouter les sousou guitare électrique. Bill Alexandre. Alors, Frank Lassalle, il y a un peu de il y a le modernisme aussi. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Nazali premier guitariste on a bêté là hier accompagnement d'un d'un cabalo en face. Depuis lors, les rumbas des deux maîtres Franco et Rochereau n'ont cessé d'influencer la musique africaine. En Guinée, très loin au nord, les gens ont même appris le patois quinois pour comprendre les paroles des chansons. Des milliers de disques vendus chaque année, mais pour Diambou, petit cireur de chaussures, un 33 tours représente un mois de travail.
cette personne qui est restée avec moi. C'est lui qui m'a élevé. L'éducation que j'ai, c'est lui qui m'a donné cette éducation-là. Asala Moussala, Moussala Nyonso, tu as montré la zone de Félicité. Et moi, là, ton PC, mon capot soit pas, à contrer à Moussala Naïwana. La bateau Moussou soit au Calicité. Oh, son gars, il y a qui dit, je te donne ma cambo à Kisiwana. Je dis que la zone de Tawana est la famille. Maman est mort, elle est mourue, Baba, elle est mourue, elle est mourue. Quand on a joué, 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 A continuer encore à écrire à l'ibosso, tiens, des amis à conquérir l'amour. Merci. Bon, nous sommes pas ça, on a au bas et chaco. Yazaya na biso, wana noko na biso mtasimbi wa makambo. Tu souhaiteras trop bonne chance na vie quoi bon pour na biso. Grâce na yende to alinenge to ele. Na bite so ya zanga. Na kande nge li passa na lobby. Pungengo ya zanango ya onde biso zo partager na ye na kata kisasa. Na luli na maizina, na pobala na maizina, yojina, yelelelele, yojina yo mabanzo, yojina ya mbopo, yojina yo mabanzo, yojina ya mbopo. Nunga ina lela sepe, yo yo, bingi pongo, yo yo, yojina waje. Nous on a un slogan, on dit toujours que Banakin Bazonga Sima, Bahuta, Bakoma Liboso quoi. Et nous on veut pas ça. Ça va nous trouver pour un spectacle, vous êtes là-bas pour un spectacle. C'est exemple le rôle là. Anaya viva, oh yo yo, yo yo. Le concert de Wemba ne commencera que dans quelques heures. Il est 20h et les fans attendent déjà. Papa, il reste un type, c'est quand même un cas très particulier. Il se laisse très bon public, il impressionne. Sur scène, c'est vraiment une autre personne, quoi. Et puis, tous les jeunes l'adorent, moi aussi je l'aime bien. C'est un type bien, quoi. Je l'apprécie, c'est un type chic. Moi, Papa Wemba, c'est un extraterrestre. Et le phénomène, pour moi, je le vois comme extra. Depuis qu'on était très gosses,
qui commence déjà à nous faire danser. Je prends et puis, enfin, comme on le dit, tous les jeunes suivent sa mode et tout, il est vraiment le roi de la salle, comme on l'écrit dans les journaux et tout. À ce qui concerne la musique, je crois que c'est l'un des jeunes qui est parvenu à révolutionner la musique d'ailleurs du modèle en faisant une sorte de symbiose entre les modernismes et les traditionnels. C'est-à-dire en s'abreuvant aux sources de la musique, c'était là pour faire une sorte de symbiose avec la musique moderne. Ce soir donc, ce sera mon premier concert depuis que je suis rentré de l'Europe. Et là, tout le monde se prépare. Mon groupe chauffe la salle de minuit jusqu'à 2h du matin. Et moi, j'interviens de 2h jusqu'à l'aube. Kinshasa effacera toutes les arnaques. Il y aura l'ambiance à Matongé jusqu'à l'aube. Il est 3h du matin, c'est l'heure de la rumba rock et de la frime. Un seul moyen de s'en sortir, s'exiler quelques mois en Europe, le temps de trouver de l'argent pour enregistrer un nouveau disque, acheter un nouvel équipement de musique et surtout une nouvelle gamme de vêtements. Je vais vous montrer la nouvelle collection de nouveaux rentrés en pantalon.
Papa Wemba, pourquoi une nouvelle gamme de vêtements? Je suis obligé, parce que au pays je suis un modèle, je suis un crack, et je suis obligé de rentrer au pays avec beaucoup de fringues, puisque ma garde-robe est beaucoup surveillée par les fanatiques. Et la gamme est déjà complète? Bien sûr, puisque ça fait plus de 7 mois que je suis ici en Europe, et j'ai circulé pas mal de pays, j'ai fait la Belgique, la France, la Suisse et l'Italie. Et j'ai acheté plein de trucs, quoi. Au pays, nous n'avons pas encore eu de studio moderne. Il s'est fait que de temps en temps, quand je me trouve ici en Europe, parce que l'Europe, c'est le continent de matériel, j'en profite pour enregistrer. Et ici à Bruxelles, bon, j'ai trouvé des copains. Et par la suite, j'ai fait un album avec eux, quoi. Ce sera la mode du synthétiseur cet été. Ah, c'est de nouveau, puisque dans la musique zéro, ça n'a jamais été utilisé. Et je crois que je serai le premier artiste musicien de l'avoir utilisé. Et c'est de nouveau, quoi, ça sera du bon au pays, je crois. Alors, Papa Wemba, c'est le grand retour au pays? Ah ouais, c'était pour moi un grand marathon. Mais là, c'est le grand retour au pays. Parce que là, il y a mes fans qui m'attendent, il y a ma famille, il y a presque tout le monde qui m'attend là-bas. Et les gens sont déjà prévenus de votre arrivée? Oui, en principe, j'ai eu à téléphoner à mes copains qui sont là-bas. Et bon, alors toute la ville est au courant que je rentre. D'abord, un peu de repos, sans doute. Après un marathon comme ça, il me faut de repos, hein. C'est mieux. Et le premier concert? Le premier concert doit avoir lieu, je sais pas, si pas à Brazzaville, ça serait alors à Matadi. Et à Kinshasa? À Kinshasa, ça viendra avec le temps, quoi. Mais je préfère tout d'abord commencer ailleurs que dans Kinshasa. C'est pour faire patienter les fans? Oui, oui, ça fait partie de la politique commerciale aussi, hein. J'avais lancé un défi au pays que je reviendrai avec des nouveaux instruments de musique. Et c'est un grand retour pour moi puisque je rentre la tête haute et les torses bombés. Thank you.
Bonanoro ya bakubara, itabe konana biso tena popo.
à la santé. Okengi wezi sengi. Mabe Maria Bakuba, ite menou. Tena kofo à la santé. Okengi wezi sengi. Une nouvelle à Bakuba, ite menou. Iso sera kofo à la santé. Okengi wezi sengi. Mabemba ya bakupa ye mwana mpire onze la 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 ya Papa Wemba. Papa Wemba, beauté. Beauté à Mobé. Ça va bien? Très bien, merci. Sangonini, papa, ça veut dire comment ça va? La francophonie respire aussi en Lingala aujourd'hui. Ça va bien? Kitoko. Kitoko. Papa Wemba, vous êtes l'un des derniers gardiens du temple, surtout depuis la disparition de Taboulé. La musique... C'est à son âme, hein. Absolument. La musique que vous portez, la rumba, celle que d'autres avant vous ont perfectionnée, a irradié au cœur de la planète. Est-ce que vous vous attendiez à une telle reconnaissance planétaire? Ben, c'est vrai que je dirais aujourd'hui la rumba, moi, sa définition, elle est la maternité même de la musique africaine, quoi. Hier, aujourd'hui, demain, cette rumba va toujours exister, parce que elle a plié, elle a sillonné toute l'Afrique. Elle a fait danser toute l'Afrique, là, y compris même nos chefs d'État. Et je me rappellerai encore de ça il y a quelques années en arrière. Quelques 17 pays ont commémoré leur cinquantenaire. C'est avec la chanson Indépendant Cha-Cha que tout le monde, ah ouais, que tout le monde a dansé, quoi. Donc aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, la rumba sera toujours là. Le grand, le formateur d'idoles sur TV5 dans Africanité. C'est ici, en République démocratique du Congo, que Papa Wemba naît en 1949, d'un père ancien soldat dans l'armée coloniale belge et d'une mère qui était alors pleureuse professionnelle. Maman, c'était une pleureuse, quoi. Une pleureuse, parce qu'ici, en Afrique centrale, il y a des coutumes quand il y a des veillées mortuaires. Mmh. Tout à fait, oui. Ça fait comme ça. Il y a toujours une personne qui doit orienter, diriger les cérémonies funéraires. Ouais. Et j'ai toujours dit, j'ai jamais eu honte de le dire, quoi. J'ai eu une grande chance d'avoir une maman comme ça, quoi. Parce que c'est elle qui m'a appris un peu à chanter, quoi. C'est elle, quoi. De son vrai nom, Jules Chungu Wemba Diop est né Kikumba. Papa Wemba grandit ici, dans le quartier de Matongé à Kinshasa, dans ce qui est alors le Congo belge. Initié par sa mère, il se passionne très tôt pour la musique et le chant. Avec vraiment des amis du quartier, on fabriquait nos guitares nous-mêmes. On fabriquait nos guitares en main. Et puis, on cherchait des boîtes de conserve pour faire genre micro, quoi. Et on prenait aussi des boîtes de conserve pour faire des tam-tams, quoi. Alors, le seul instrument véritable qui était dans ça, c'était ma voix. En 1969, Papa Wemba participe à la création de Zaïko Langa Langa, un groupe qui va révolutionner la musique congolaise en proposant une sorte de rumba anticonformiste. Quelques années plus tard, Papa Wemba crée sa propre formation musicale, Viva la Musica. Un groupe avec lequel il invente la rumba rock made in Kinshasa, avant de se lancer à la conquête de l'Europe, où il s'installe en 1986. Papa Wemba, quand il est arrivé à Paris avec Viva la Musica, avec donc son groupe qui comprenait Gino, Stino, Redi Amici et tout ça, ils commençaient à jouer en spectacle, là c'était... Il n'y avait pas photo, quoi, c'était... ça on n'avait jamais vu. Jamais. Leur chorégraphie, leur rythmique, leur façon de jouer. Alors là, oui. Là, j'ai adhéré tout de suite.
Cependant, c'est avec Fa, cette reprise de son idole de toujours Otis Redding, que Papa Wemba connaît un succès planétaire. Un succès qu'il doit notamment au célèbre musicien et producteur anglais Peter Gabriel, avec qui il collabore dès 1993. La première fois que j'ai vu Papa Wemba en concert, c'était au Dôme de Marseille, en première partie de Peter Gabriel. Et là, j'étais fasciné par le talent de cet artiste, l'interprétation de ses titres. Un talent reconnu dans le monde entier, y compris au Japon, où l'artiste fait des émules. Mais en 2003, Papa Wemba est emprisonné pendant 3 mois en région parisienne pour son rôle présumé dans une filière d'immigration clandestine entre son pays, la République démocratique du Congo, la France et la Belgique. À l'époque, on habitait à Aulnay. On était en grand pavillon sur le pont de l'Union. Et le voisinage, on connaissait tout le monde. Hein. Personne ne nous a pointé du doigt, non. Voilà, ça s'est bien passé parce qu'on nous connaissait vraiment de l'intérieur. Donc, il n'y a pas eu de gros soucis à ce niveau-là. Et l'après, mon papa était beaucoup dans la prière. Hein. Papa est un champion, un battant. Dieu lui a donné cette force, donc il a repris son chemin et voilà, c'est reparti. Avec l'aide de son épouse, Marie-Rose Luzolo Amazon, et ses enfants, Papa Wemba a rapidement renoué avec son public et le succès. Surnommé le rossignol du Kassai et toujours considéré aujourd'hui comme le roi de la sape, Papa Wemba démontre une fois de plus toute l'étendue de son talent à travers son dernier album intitulé « Maître d'école ». Au caméraman. Au Congo, l'Angela, on libérait tapis rouge. On libérait tapis rouge. On libérait tapis rouge. Vous allez quand même à quoi annoncer, Bino. L'arrivée de Papa Wemba. Parce que si la SAP était connue un peu partout, c'est grâce à nos amis congolais de Brazzaville avec qui nous nous sommes rencontrés à Paris. C'est vrai qu'on ne pourra jamais changer cette histoire. Je suis
véritable Kota. À l'époque, il y avait une équipe de football ici qui s'appelait, je crois, ou comment je ne me rappelle plus. Quand cette équipe de traversée, Diable Noir, oui. Avec ce boss de la course, les matchs. Ils sont de l'époque comme un terrapeau, Tati Ango, Nacepo. J'ai retenu mon fils de boss. C'est là. Je reconnais Souri Kacharel qui vient de partir. Elle fut parmi Manolo Kando. Tous ces titres-là. Et Lelo Mouto à l'époque de Sayako. Nakati Academy. Ben Moutacha. La chanson s'apologie. Celui de Sayaki Yako. Inspiré par lui. Alors, on appelle ici la sapeur Yostou. Baoti Kisasa, félicitations. La Pessi, la sapeur Yostou et Abrasapil, Kaya Poche Noir, félicitations. Et la Pessi, le grand imam, vraiment un grand merci. Grâce à cette rencontre que l'élu Bishop Aoy Toshi Diplomla. Merci. Et ça met tout. Papa Wemba est là. Le rêve de plusieurs téléspectateurs s'est réalisé. Vous êtes sur ce plateau. Merci encore une fois. J'aimerais bien savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie la constance de Papa Wemba? Parce que Papa Wemba, je l'ai dit à l'entame de cette émission, il traverse les générations, il résiste à tous les vents musicaux. Qu'est-ce qui justifie cela? Parce que je suis très amoureux de la musique. Aussi j'aime bien. Dans mes débuts, c'est vrai que ma mère croyait, mais elle ne croyait pas tellement trop, quoi. Malheureusement, elle est partie trop tôt. Mm. Elle m'a laissé. Et j'avais promis à ma mère, tant que je serai toujours là, j'irai au bout. Parce que quand on embrasse Jésus, on ne fait jamais la mi-chemin avec, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Mm. Et moi, la musique, c'est ma vie. C'est vraiment ma vie, quoi. Mm. Ma femme, mes enfants, tous, ils savent, quoi. Ils savent que la musique, c'est vraiment ma vie, quoi. C'est ce qui a fait que vous avez mis autant de temps, plus de 40 ans de vie commune avant d'épouser votre femme. Bon, ma femme, on est resté ensemble. Elle était venue en moi à l'âge de 14 ans. Moi, j'en avais 20. Mm. Et puis, bon, nous nous sommes mariés. On a eu nos 6 enfants. 44 ans plus tard, je l'ai amenée. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui parce qu'on reçoit l'un des rois de la sape sur notre plateau, Papa Wemba. Mm. Je suis pas trop sapeur que ça, quoi. Je suis beaucoup plus chanteur. Qui sa peur. D'accord. Mais j'aime bien. Mais c'est là, c'est un couturier ivoirien. Mmh. Ok, c'est très très joli. C'est vraiment un couturier ivoirien. Très joli. Très joli. Donc, parce qu'avant début, en fait, Papa Wemba était plus amoureux de la mode japonaise, va dire. Japonaise, italienne, exactement. Française. Les coupes assez asymétriques, un peu extravagantes et tout ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec l'âge, Papa Wemba arbore des vêtements africains. Ça fait aussi plaisir. Oui, nous devons aussi ça faire fait plaisir. Avec. C'est né au Congo, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sapologue. Donc, que pensez-vous de la nouvelle génération? Il y a encore, faut ramer, hein, faut vraiment, il faut faire très vite pour y arriver, quoi. Mais bon, on aime bien. Sur la photo, c'est les sapologues congolais. On peut voir des couleurs très flashy. On a du wax, on a des couleurs roses, voilà.
il défraie vraiment la chronique, hein, parce qu'un homme habillé en tout rose, c'est clair que c'est rare, mais c'est aussi ça la merci mode. Beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. Et quand je vois ces photos, j'ai envie de dire, j'aime mon continent. Voilà, on va marquer une pause. Papa Wemba, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va se calmer. Petit commentaire de Papa Wemba, c'est le président du jury. Ben c'est vrai que hier il n'y avait pas de sapeuse, mais aujourd'hui... S'il vous plaît. Hier, il n'y avait pas de sapeuse, mais aujourd'hui, nous voyons un peu partout des filles qui viennent aussi dans la sapologie et qui veulent aussi se faire remarquer. C'est très bien tout ça. Je n'ai pas à comparer. Je n'ai pas à dire que voilà, c'est ce groupe-là qui a gagné ou c'est l'autre qui a aimé. Mais tout le monde, avant de sortir de chez soi, on se regarde bien. Et on s'est dit que bon voilà, là, je vais me défendre comme ça. Et c'est très bien, bravo, j'ai dit bravo à tous. Papa Wemba Kourou Yaka, Yaka, Yaka. Bidja Chalem, Bidja Mondo, Mondo, Mondo. Bidja Welom, Bidjo Dimaye. Ekumanika qui sort à mener comment. Ekumanyam Bocha. Toki qui la koi, Toki qui la koi, Anna Mango, Yema le tole le papa Wemba, pena qui kumba. Le mongo mongo koi, le mongo mongo koi le, papa Wemba koi ma kine, papa Wemba si koi na chuku, papa Wemba lo kara lo tala. Musique est en deuil. Le chanteur congolais Papa Wemba est mort en Côte d'Ivoire, victime d'un malaise en plein concert à Abidjan, une mort subite. Il participait au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Grande figure de la musique congolaise, le chanteur était âgé de 66 ans. Auteur, compositeur et interprète, Papa Wemba, né Jules Chungu Wemba Dio, a sorti des dizaines de chansons depuis le début des années 70. Wemba participait au Festival des musiques urbaines à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il était sur scène, vous allez le voir, entouré de ses musiciens. Il était plus de 5 heures du matin, pris d'un malaise, il s'est écroulé, tout le monde s'est précipité vers lui, la musique s'est arrêtée quelques secondes plus tard. Très rapidement, les secours l'ont emmené à l'hôpital, mais Papa Wemba est mort quelques minutes plus tard. Bien sûr, on s'en doute, la nouvelle s'est répandue très rapidement dans les rues d'Abidjan. Je vous propose d'ailleurs de retrouver à Abidjan notre correspondant Angerman Nani qui a pu recueillir quelques réactions à la mort de Papa Wemba. Comme vous le voyez, juste derrière moi est en train d'être démonté depuis ce matin ce qui fut la dernière scène de Papa Wemba. Jusqu'à son malaise cardiaque au petit matin, Papa Wemba affichait pourtant une grande forme, comme nous le montrent d'ailleurs les dernières images de son entrée en scène. Il était 5 heures du matin. Bonjour Abidjan! Est-ce que vous êtes là?
Puis en deux morceaux et quelques minutes plus tard, le malaise. C'est la gorge nouée qu'Assalfo annonçait ce matin en conférence de presse le décès de celui qui restera pour l'Afrique l'un de ses plus dignes représentants artistiques. Ce matin, nous avons rencontré Ismaël, revenu sur cette scène un peu comme pour se recueillir. Hier, il avait eu la chance de prendre avec Papa Wemba sa toute dernière photo. Il regardait et me disait « Ah mon fils, tu es très bien habillé, tu as de l'avenir, continue comme ça. » Et entendre qu'il est mort ce matin, vous voyez, c'est fort. Dans le quartier populaire d'Anoumambo, c'est l'émotion doublée d'une grande tristesse. Décédé de cette manière-là, ça veut dire que vraiment, il était né avec. Et il est parti avec tous les honneurs, je dirais. La 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo se termine sur des notes de grande tristesse. L'Afrique vient de perdre l'un de ses plus dignes représentants de sa musique. Papa Wemba avait 66 ans. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est ça pour l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas, quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour, je partirai comme ça aussi. Motema ezala ta trésor, ya ba souvenir à malamu yanga na Wemba Dio. Oh la vie est belle, l'amour car le pongi porte la ndenge mokizali kolela yo. Non mais parti m'aller, j'en vais rester. La musique africaine, ta voix l'a tatouée. Nos cœurs sont partagés entre peine et fierté. On te remercie et te témoigne notre respect. Travailler, gagner de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Oh la vie est belle, amoroso, amoroso. Oh la vie est belle. Papa Wemba, oh la vie est belle. Wemba Dio, une voix qui résonne encore dans ma tête. Et son être de la yangue, yangue. Tu nous laisses un trésor de belles mélodies. Bissona, Bisso, père, un grand frère. Adieu l'artiste au grand cœur. L'Afrique pleure, pleure, pleure. Il était comment Papa Wemba bien sapé, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. N'a pas griffé sans mort. Papa Wemba, roi de la rumba, une légende ne meurt pas, tu restes éternel ici-bas. Travailler, gagner de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Oh la vie est belle, amoroso, amoroso. Oh la vie est belle. Nous, Amobe Mevege, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes réalisateur, producteur, animateur, notamment de l'émission Africanité sur TV5 Monde. On peut dire qu'avec Papa Wemba, c'est une icône de la musique africaine qui disparaît. C'est l'onde de choc est énorme, l'amplitude est sismique. C'est un peu l'équivalent d'une Oum Kalsoum, d'une Maria Callas, d'un Elvis Presley, parce que Papa Wemba, c'est pas simplement le Congo, c'était toute l'Afrique. On l'appelait le formateur d'idoles. C'est quelqu'un qui en... Vous le connaissiez bien, vous l'aviez. Oui, c'était devenu. On fait des métiers où on. Moi, je l'ai connu. J'étais un môme comme Myriam Makeba. On a fait ce chemin ensemble dans l'ombre de ces géants qui ont porté les couleurs de l'Afrique très haut. De la francophonie. On voit des images d'Africanité. Tout à fait, on l'a reçu Africanité il y a même pas un mois, et avec Papa Wemba on avait beaucoup de projets, mais c'est surtout quelqu'un qui représente le chaînon manquant entre plusieurs générations de musique congolaise, parce que le Congo c'est vraiment un pays spécial. Il a connu tout le monde, les Wendo, les Kabasé, les Franco Luambo Makiadi. Il est arrivé aux États-Unis à faire des concerts avec Peter Gabriel. Il y a des concerts aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une star. C'est plus qu'une star africaine, c'est une star mondiale. C'est une star planétaire. Ouais. Et il y a toujours cette discussion de dépit lorsque je parlais avec lui de ce que la France, de la francophonie
Sony ne renvoie pas toujours à la juste hauteur de ce que ces artistes ont représenté, parce que lorsqu'on parle de Prince qui arrive en France, c'est parce qu'en France, il y a tout un climat où les artistes africains sont là, il y a un vrai buzz, il y a les Papa Wemba. C'est vrai qu'en France et en Belgique, il y avait quelques ennuis avec la justice en 2012, je crois. Absolument, au milieu des années 2000. Il lui reprochait d'avoir fait une histoire de visa pour l'immigration clandestine. Enfin bon, il avait été condamné d'ailleurs. Hein. Il a fait de la prison. Hein. Il était rentré dans la spiritualité. Mmh. Nul n'est parfait, mais ce qu'on retient de lui, c'est que c'est un artiste qui a su faire la synthèse, comme tous les grands, entre la rumba, l'épopée musicale d'aujourd'hui, la synthèse de toutes les influences anglo-saxonnes, il les a pétries. En fait, il restera comme le pape, le dieu de la rumba, mais en fait, c'est une rumba qu'il a aménagé à sa sauce, quoi. C'était pas la rumba cubaine, en fait. Non, parce que c'est la brûlure des histoires africaines, de l'histoire africaine. Le Cuba renvoie la rumba à l'Afrique, et Papa Wemba, un enfant pauvre des faubourgs de Kinshasa, allait écouter en cachette Elvis Presley pour faire une synthèse de toutes ces sonorités. Il est l'inventeur de Zaiko Langa Langa. C'est une star au Japon. On oublie que lorsqu'on parle français sur la 5e avenue, c'est parce que des artistes comme lui sont en tournée mondiale. Le papa de Maître Gims, c'est un musicien qui a accompagné Papa Wemba. Il y a la SAP, la Société des ambianceurs des personnes élégantes. C'est aussi un fou de mode. Oui, parce que... Passionné par la mode. Oui, parce que Papa Wemba était l'emblème de la survie africaine. Ses messages avaient une dimension aussi à capillarité sociale, au sens où, lorsqu'il écrivait des chansons, un peu comme Franco, ça touchait aussi le quotidien des peuples. Et s'habiller, se saper comme un lord, saper comme jamais, comme dirait l'autre, c'était une manière un peu de transcender la difficulté des vicissitudes de l'existence. C'était le roi de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il avait créé aussi des groupes, il avait un groupe musical autour de lui, puis il en a plusieurs. Le Molokai, Viva la Musica, et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était il y a moins de 3 semaines, au New Morning. Il était venu comme ça en catimini pour donner un petit coup de pouce à la nouvelle sève, la nouvelle génération de la musique. Et il a influencé, comme je le disais tout à l'heure, des générations de musiciens, pas seulement congolais, de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, et je citerai tout à l'heure le début des années 80 avec l'effervescence, c'était le Grand Rex à Paris, on parlait du Palace pour Prince, mais c'est des gens qui ont inventé aussi une certaine manière de vivre et de considérer que la France, la francophonie, ça représentait quelque chose à l'échelle des nations. Et Papa Wemba, avec la Sono Mondiale, avec Radio Nova, avec tout ce bouillonnement, les Martin Messonnier qui sont devenus des producteurs de Fela et d'autres, c'est vraiment une page monumentale de l'épopée fabuleuse des musiques africaines qui vient de se tourner. Et je vous entendais entre les lignes, vous disiez que la France n'avait peut-être pas eu toujours pas accueilli à sa juste place. Ben c'est pas simplement au titre de Wemba. Aujourd'hui, l'Afrique pleure, va lui rendre les honneurs jusqu'en Afrique du Sud parce qu'il tournait avec Brenda Fassi. Mais en France, quand même, il y a ce dépit dans la bouche de beaucoup d'artistes. J'en parlais aussi avec Youssou N'Dour, de se dire que mais pourquoi la musique africaine n'a pas sa place? Parce que la musique africaine a, avec des gens comme Bernard Lavilliers, etc., permis que la France rayonne et la francophonie. N'oublions pas que le premier pays francophone au monde, c'est le Congo. Et la musique africaine a percolé, si on peut dire, dans beaucoup de musique aujourd'hui en Europe, de musiciens français qui utilisent en fait les airs, les rythmes africains. Absolument, on ne va pas demander à tout le monde de faire de la fusion ou de l'effusion musicale, mais juste que l'Afrique, à travers la voix de ces géants, de ces gens qui ont apporté, je vous donne juste un exemple, lorsque Julien Clerc fait pour la première fois l'Olympia, eh bien il le fait en première partie d'une autre légende de la musique africaine, c'est Taboulé Rochereau. Ouais. Donc c'est pour dire le gap qui existe entre ces artistes qui étaient là depuis les années, depuis les Bella Bello, depuis les années, on peut même remonter au Théâtre Nègre des Champs-Élysées, 1923, le bal de la rue Nègre, etc. Et cette frustration vraiment de se dire qu'en francophonie, eh ben on ne donne pas toujours la place à ces gens qui font rayonner une parcelle de l'esprit francophone. Et peut-être que la mort de Papa Wemba va servir justement à faire parler de tous ces musiciens. L'avenir nous le dira, en tout cas sur TV5, évidemment, on rendra hommage ici, on l'a reçu à plusieurs reprises dans Africanité, et ce sera le cas très prochainement dans les différentes éditions de TV5 Monde. Merci Amobé, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 64 minutes pour nous parler de Papa Wemba. No matter where you go. Bonjour, j'ai le cœur brisé parce que nul ne peut l'ignorer. Pour savoir qui était Papa Wemba pour moi, j'ai fait l'école Papa Wemba, j'étais dans son groupe Viva la Musica, et c'est un monsieur qui a beaucoup contribué dans ma vie artistique. Il m'a beaucoup encouragé avec ses conseils artistique, bien sûr. Et j'ai évolué dans son groupe pendant au moins une dizaine d'années. Et j'ai le cœur brisé. Je ne sais pas quoi dire, enfin.
Et je dirais aussi que toute l'Afrique est en deuil. Il est parti très tôt. Il est parti très tôt. Il est jeune pour moi. Il est parti à 67 ans. Mais comme on dit, la mort ne choisit pas le moment. Il ne choisit pas l'âge. On donne tout aux mains de Dieu. Pour que là où il est actuellement, Papa Wemba, qu'il soit entre ses mains, les mains du tout haut, Dieu Tout-Puissant. Et depuis ce matin, je n'ai pas arrêté de pleurnicher. Et je devais voyager aujourd'hui, hier. Comme par hasard, il y a eu un truc et ça a été reporté. Et c'est pour la semaine prochaine pour aller en tournée en Afrique. J'ai annulé ma tournée. Et demain, je vais prendre mon avion pour Paris pour aller un peu voir du côté de Paris, parce qu'on a évolué beaucoup avec Papa Wemba à Paris quand j'habitais à Paris en France. Et il y a beaucoup de mes collègues qui se trouvent là-bas aussi. Donc quelques membres de sa famille, du côté de la famille de sa femme aussi, de sa chère, sa veuve, comme on peut aujourd'hui le dire, dans la zone. Et tout son staff, comme on dit, Bana Firenze, et tous les gens qui nous soutenaient toujours quand on faisait partie de son groupe. Je dirais que j'ai le cœur brisé. Je suis abattu. Et ma journée, regardez le ciel, comment il est gris. Papa Wemba, tu nous as laissé orphelins de toi, t'es parti. The remains of Congolese music legend Papa Wemba arrived in his native Democratic Republic of Congo on Thursday. The casket containing the remains of the late singer arrived to a huge crowd, including the country's Prime Minister, President of the National Assembly, and musicians. Family members and friends of the late singer, many in tears, consoled each other as his casket passed through the airport. Draped in the national colors of the Democratic Republic of Congo, the casket was taken to a morgue in the capital where it will be kept until Monday, when Congolese will pay a special tribute to their late icon. He is expected to be buried on Tuesday near Kinshasa. A memorial service was earlier held for him in the Ivorian capital, Abidjan. Toujours
Vraiment, madame, avec le cœur, vraiment, tu as même la moté, ma maman, vraiment. Nicolas est béni à la Kawat. Pas si la moté, ma maman, pas si trop quoi. Pas si trop la moté, ma quoi. Naza très malin, comment on va te quoi. Mais naïe n'a qu'un papa. Nabi, ce qu'on a au coup, on a coup, on a coup, on a coup, on a papa. Il y a un temps, on a porté, ça fait 31 ans. Il est venu me voir chez moi il y a 9 mois, à Zagnanda, on a. Pour n'aille pas la grave. A bien au coup faté, le bangaza beaucoup, le coup faté. Et puis, ma gamine, tout, ma gamine, tout, ma gamine, et à ma gamine, juste quoi. En fait, pour moi, papa, c'était un prophète, quoi. A prophétisé à ma gamine, donc. Donc, tu vois que ça, Josar, c'est quoi, Rosalawana? Na, Pepe, maintenant, Rosalag, déjà, Josar, Aouya. Mais vous sentez qu'absence à Papa Wemba? Papa Wemba, ça, Maza, papa, tu. Et ça, on voit Tata dans la Koufi, ton maman dans Koufi. Alors, on a toute la vie, on a nos canisans, on a nos lélaïens. On a papa dans Abisso. Dans le groupe dans Abisso, ils ont dit qu'il y a des Tata dans Abisso. Nous avons un clan dans l'école en allant. Ton maman. Ton père de Moussounéne, à Tiki Bisso, à Kei. Donc, vraiment, ton père de Benaga, un grand, 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 grand. Oh yo, la idéologie, on a. Et au salamon, passe pour tout récupérer. C'est passé, le passé. On a pas dit madame, on a 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 Sortir le véhicule, s'il te plaît.
S'il vous plaît, chauffeur, dis-nous ça, votre... Observation des quartiers réservés à nos chers disparus. Nous insistons pour qu'on ne puisse pas marcher. Donner du bonheur ou de l'espérance, il se trouvera forcément quelqu'un au jour de ta mort pour te fermer les yeux. Quelqu'un pour rassembler tes amis. Organiser une veillée. Et tant ça le mercredi 4 mai 2016. Chers amis, Analingo Tché Moyanou. Merci à sa famille, ses parents, amis et ses confrères nombreux. Passez par ces hauts lieux de formation de la musique qu'en représentait les villages de Molokai. Et à vous tous présents dans cette belle cité qu'est la nécropole, par ma voix, toute l'équipe de l'ASBL entre terre et ciel. Et non entre ciel et terre, c'est entre terre et ciel. Présente les condoléances les plus attristées. Iba, Gilles Blessé, Difoumani, Ayol, Lakasso. Cette contrée, ignorée dont nul voyageur ne revient, citée dans Hamlet de Shakespeare, évoque pour nous ce pays où tu résides désormais depuis ton départ le 24 avril dernier pour la félicité éternelle. Béchoumou, mon frère, es-tu réellement mort? Bien sûr, nous savons que nous ne croiserons plus tes yeux de regard indéfinissable, ton sourire éternel. Nous savons que nous n'écouterons plus cette belle voix ténor particulière, posée et déterminée lors de nos prochains festivals. Mais Papa Wemba, à l'instar de tous ceux qui sont ici présents, éternel, surtout ce qu'il a fait pour moi, vous le savez. J'ai réalisé au moins 150 chansons dans son groupe. Yoka
bien. Nokolando Michuri. Kombe kombe tellement pour moi kalikolo. Que soya ligorodo. Et coquille pour soyete. Hein?